Dans une véritable horchata mexicaine, il n'y a aucun laitage. Et alors? C'est pas illégal d'ajouter un peu de lait à une vieille recette? Tu ajoutes du sucre à ton burrito? La nourriture, c'est l'anarchie. Suis tes propres règles. Tu veux goûter? N'approche pas ton sucre de mon taco. Waouh! Je me sens en pleine forme. T'es sûr que tu veux pas goûter? Oui, sûr et certain. On fait des feux d'artifice? Je ne crois pas que ce soit vraiment une bonne idée. J'ai trop envie de m'amuser. Tornade incandescente! Licorne arc-en-ciel pailletée! Nouilles pétillantes et bacon ananas au volatile bleu! Peut-être que tu devrais parler un peu moins fort. Qu'est-ce que tu nous as fait? Un arc-en-ciel, c'est que de la lumière! Ben, dans les miens, il n'y a pas que ça, d'accord? D'accord, d'accord, pas de panique. Tu viens seulement d'écrabouiller une voiture de police, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Où est le problème, Marco? J'ai déjà fait ça au moins 100 000 fois. J'ai qu'à demander de l'argent à mon père pour les rembourser. Et on n'en parle plus. Les choses ne fonctionnent pas comme ça sur Terre. Ici, on te met en prison. C'est comme à Saint-Olga. C'est pire que Saint-Olga. Là-bas, on te donne qu'un seul petit morceau de savon qui doit durer toute l'année. Tu te lèves à 4 heures du matin pour faire des croquettes de pommes de terre que tu ne peux même pas manger. Et on t'oblige à porter une combinaison orange 7 jours sur 7. Orange? Aïe, ça alors, pour une surprise? Ils ont remarqué la bosse. Ça va être difficile, mais de temps en temps, je viendrai te rendre visite en prison. Puisque c'est comme ça, je n'ai plus le choix. Je vais me sauver. Non, 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 attends! Partir, c'est encore plus grave! C'est un délit de fuite! Tu ne m'arrêteras pas! Je m'en vais! Star, attends! Dès que j'aurai trouvé où me cacher,